Appliquer. Appliquer. Ah, allô, allô, allô. Je pense que vous allez m'entendre cette fois-ci. Allô. Allô, allô, bonjour. Je pense que tout le monde va m'entendre. Est-ce bon pour le son? Merci Brice. Donc si tout le monde m'entend, c'est parfait. Si je parle pas assez fort, il faudra me le dire. Bonjour à tous. On va attendre 11 h, on va être ponctuel. Ça marche le direct? Ah, alors, il y a Aurélien qui nous dit que ça marche le direct. Bravo pour le direct. Alors oui, ça va être du direct live, de l'improvisation totale made in RTMFM, made in Mifobio. Brice, Christian et Sophie, vous me donnez le top départ. Moi, j'attends votre top départ pour me lancer directement dans cette expérience unique de présentation du nouveau site internet du RTMFM. Voilà, j'attends votre top départ et après je lance la machine. OK.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session des webinaires du RTMFM. Un webinaire un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'il ne sera pas axé sur une technologie ni une technique bien spécifique, mais sur quelque chose qu'on attend depuis de très nombreuses années, le renouveau du site web du RTMFM. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de cette affaire. Mais il y a eu quelques petits soucis et on va dire que on aurait dû être lancé en 2020, mais bon, il y a un ami virus qui est passé par là, qui a retardé environ d'un an cette prise en main du site web. Alors, il est en construction. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une ébauche. Il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Les pages ne sont pas complètement remplies. Il y a encore pas mal d'informations dont on a besoin. Le site web est donc, comme vous le voyez sur l'affiche, il y a 5 personnes qui travaillent actuellement dessus. Donc il y a Samira, Aurélien, Perrine, Ludivine et moi-même. Donc on est un petit groupe sur lequel on va essayer de répondre aux besoins de la communauté en termes de vos besoins, en termes qu'est-ce que vous voulez voir d'accessible sur le site web. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet sur l'ancien site, voilà, cette chose horrible que plus personne ne veut voir, qui ne marche quasiment plus. Puisque on voit que la page d'accueil ne fonctionne plus. Alors, tout ce qu'il y a à l'intérieur fonctionne encore avec la présentation du réseau, les historiques du réseau. Tout ça fonctionne encore, même la célèbre vidéo faite par Frédéric et son collègue de la délégation Côte d'Azur en 2015. Voilà. Mais on va dire que l'architecture est un peu très moche. Et donc du coup, il a été entrepris une nouvelle. Donc c'était sous SPIP. Hein. À l'époque, c'était sous SPIP. Et donc là, du coup, nous allons passer. Alors, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. On va passer directement sur la nouvelle interface sous WordPress. Voilà. Donc vous allez voir. Donc je suis en mode administrateur parce que je suis connecté directement à la machine. Donc c'est pour ça que vous voyez tout en haut un bandeau des réglages. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y aura pas, évidemment, quand vous serez connecté directement sur le site. Alors, voilà. Voilà comment il se comporte, voilà comment il se présente. Vous avez en haut à gauche le logo du CNRS et le logo du RTMFM. Une image de présentation. Une image de présentation. Voilà. Après, il y a encore. Ça, c'est des choses qu'on pourra voir. On pourra faire un appel à la communauté pour me demander des images de chaque plateforme, pour faire un bandeau défilant. Voilà. Et nous avons ici la présentation du site. C'est quoi le site? Alors, j'ai mis RTMFM, réseau de l'imagerie photonique. Voilà. À nous de voir quel type on verra avec l'ensemble de la communauté et l'ensemble du comité de pilotage, voir quel est le titre exact du réseau. Ensuite, sur cette première page, on a tout en haut un premier menu avec la connexion, l'annuaire, l'agenda, les sondages, les matériels. J'y reviendrai tout à l'heure. Et un menu général avec les différents éléments. Donc réseau, action, groupe de travail, événements et Web TV. Web TV, évidemment, les webinaires du RTMFM. On a ensuite, une fois que l'on scrolle un peu, on va arriver directement sur les articles ou les pages à la une. Alors, tout n'est pas encore à jour, on n'est pas encore complètement à jour, mais bon, voilà, j'ai mis différentes pages. Donc, c'était des exemples. On avait fait des exemples avec une page sur le webinaire de Serge Monneret pour le 23 mars. On avait relayé l'annonce de Laurent Hélio pour les appels à atelier pour MIFOMIO 2021. Et j'ai mis hier le webinaire directement en ligne. On a aussi la possibilité de mettre les webinaires ici et on a aussi une autre case qui nous permet aussi de voir ce qui se passe par ailleurs avec, par exemple, en 2019, le plan national pour la science ouverte par Frédéric Vidal, la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. On a tout en bas un bandeau avec nos partenaires. Donc, c'est des partenaires un peu que j'ai choisi, que nous avons choisi au hasard dans le groupe. Après, ça sera à voir avec l'ensemble des acteurs de la communauté, mais l'un de nos partenaires
principaux, bien France Bioimaging, avec qui on collabore énormément, surtout pour des demandes de financement. Voilà. Le GDR Imabio, cela va de soi, et puis eh bien, Euro Bioimaging, l'infrastructure européenne, et puis une communauté qui m'est plus chère à moi en tant que métrologiste et contrôle qualité des équipements de microscopie, la communauté Quareplimi. Et tout en bas de notre première page, eh bien, nous allons retrouver le menu, avec le différent menu, donc le grand menu, le deuxième menu. Et puis d'autres informations comme les postes qui sont accessibles actuellement, et une charte du réseau, et puis une petite page internet. On a tout en bas, alors qui est un peu caché avec fora qu'on bouge, ce genre de choses, mais avec la partie française et anglaise, je vais revenir par la suite, on a tous les réseaux sociaux. Donc par exemple, si je fais un clic droit sur ouvrir Twitter dans un nouvel onglet et que je switch directement sur RTMFM, eh bien, automatiquement, on arrive sur la page Twitter du RTMFM. Voilà. On doit même avoir, je ne sais plus laquelle c'est peut-être l'une des deux, on doit peut-être avoir la page YouTube et on verra par la suite. Je vais revenir tout en haut et un peu vous détailler les différentes pages. Alors, je vais vous présenter très rapidement. Donc, on va avoir réseau. Hein, le réseau, ça va être la présentation du réseau. Hein, qu'est-ce que le réseau RTMFM, l'organisation, le COPIL, les comptes rendus du COPIL. On verra que ça, les comptes rendus du COPIL sont actuellement protégés. On verra par la suite comment vous pourrez, vous, membres du RTMFM, y avoir accès. Les plateformes d'imagerie en France. Les différentes actions liées au RTMFM. Bah, l'action phare du RTMFM, c'est les assises des plateformes. Hein, ce lieu de rencontre unique, les actions nationales de formation, les journées thématiques et les tutorats et bourses de mobilité. Et le poumon du RTMFM aussi, bah, ce sont les groupes de travail. Donc, vous voyez les différents groupes de travail. Je vais y revenir, je les détaillerai un peu plus par la suite. Les événements et les WebT. Alors, on va commencer par exemple sur réseau. Donc, dans la présentation, donc si je clique dans présentation, automatiquement, j'arrive sur une présentation directe du RTMFM. Donc, qu'est-ce que le RTMFM? Avec le célèbre logo dessiné par François Prodon, notre collègue de Genève, qui avant était à l'Observatoire de Nice avec Christian Rouvière. On a une présentation générale. Qu'est-ce que le RTMFM? Avec une photo, l'une des dernières photos des assises réalisées en 2018 à Rouen. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il m'a gêné pour tout ce qui était réseaux sociaux. On a pris le pas directement on avait demandé à la MITI savoir si on pouvait tout mettre en anglais, parce qu'on a quand même beaucoup de collaboration avec des personnes anglophones. Donc on a fait le choix d'avoir le site en deux parties, en français et en anglais. Et il y a un petit outil qui est assez pratique, qui nous permet directement de passer, de basculer d'une langue à une autre. Si je clique directement sur anglais, automatiquement, le site web est traduit. Donc ce n'est pas une traduction Google, ce n'est pas une traduction Google. Donc ça, c'est une traduction de Sophie Allard. Donc je préfère, comme ça, s'il y a des erreurs, ce n'est pas moi-même. On fera traduire et on fera relire évidemment par des personnes. Pour l'anglais et le français, parce que pour éviter toutes les fautes d'orthographe et autres. Donc ça, même toute la communauté, si vous voyez des fautes, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Donc, si je bascule, je vais rester sur le mode anglais. Si je bascule en mode organisation, dans la partie organisation, alors, on voit que là, j'ai pas bien traduit organisation. J'ai oublié de traduire. Hein. Ah, je crois que je l'avais fait exprès. donc là, on a la traduction. Mais si je repasse évidemment en français, automatiquement. On retombe sur la partie française, comment s'organise le RTMFM. Le comité de pilotage, ça va vous permettre à vous, membres du RTMFM, de savoir qui sont vos interlocuteurs du comité de pilotage. On a fait le choix de mettre des photos. Donc évidemment, chacun a donné, si les photos ont été transmises, il y a eu un accord. Donc vous allez pouvoir voir qui sont les membres du comité de pilotage et par exemple les membres du bureau. Donc Sophie Allard, qui est la coordinatrice du RTMFM, Christine Terrain, qui est la responsable formation, et Christian Rouvière, le responsable du budget. Et vous allez avoir aussi les six autres membres du comité de pilotage du RTMFM par ordre alphabétique. Hein. Alors je ne les ai pas mis par ordre alphabétique pour la première partie, mais là c'est par ordre alphabétique. Donc Samira Benada, Pierre Bon, Aurélien Dauphin, Thomas Gilbert, France Lam et moi-même.
Et vous avez peut-être aperçu, mais sur certains noms, ils sont. Ça, c'est une de mes volontés. C'est une de mes volontés. J'ai souhaité mettre en avant les acteurs du membre de RTFM-FM. Et donc, il y aura une page pour chacun des personnes qui participent activement à la communauté du RTFM, qui sont acteurs majeurs de groupes de travail ou de comités de pilotage ou d'autres actions. J'ai décidé de leur créer une page spéciale. Et donc, du coup, par exemple, si je clique sur Sophie Allard, je vais faire un clic droit, ça m'évitera de retourner en arrière. Automatiquement, eh bien, on va tomber sur une page dans laquelle on va avoir un peu le détail de Sophie. Donc, par exemple, son adresse. Donc, elle est à l'Institut Infinity, U1291 INSERM, au CHU Purpan, à Toulouse. Vous avez le site internet, je n'ai pas encore mis le lien. Vous avez son adresse mail. Je n'ai pas son numéro de téléphone, elle n'a pas voulu me donner son 06, bon, c'est pas grave, je l'aurai par la suite. Et on a un peu son parcours formation, voilà, son parcours professionnel et ses distinctions. Et chacun des membres du comité de pilotage aura ce genre de choses. Alors, je l'ai fait pour moi-même exactement, je l'ai fait aussi, un autre exemple avec Thomas Gilbert. Donc, si je prends mon parcours à moi avec ma photo, l'adresse de mon site, mon numéro de téléphone, et puis mon parcours de formation et mon parcours professionnel. Vous allez avoir la même chose pour Thomas. Alors là, le lien est bien actif. Ah non, il n'est peut-être pas actif. Ah non, ah, il n'est pas actif. J'ai pas dû bien faire les choses. Mais globalement, vous allez retrouver ce genre d'informations. Voilà. Ce qui va vous permettre, pour les personnes qui ne connaissent pas bien les interlocuteurs, lors de différentes manifestations, eh bien, vous allez pouvoir mettre un visage sur les acteurs majeurs du réseau. Et là, une chose, donc les comptes rendus du COPIL, actuellement, voilà, ils sont en privé, c'est parce que moi je suis connecté, mais je vous le dis tout de suite, ils seront en mode protégé. Alors, au départ, je voulais le faire en mode non accessible et vous montrer comment se connecter, mais il y a un petit problème avec un plugin, ce qui fait qu'actuellement, on ne peut pas accéder facilement à la connexion. Voilà. Donc, j'y reviendrai, on y reviendra par la suite sur les différentes fonctionnalités, comment accéder à ces différents comptes rendus. Alors, une chose qui était demandée, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et qui tenait à cœur à différents groupes de travail, mais je pense que ça va être extrêmement important. Ça va permettre de lister vraiment qui sont les membres du RTMFM, où sont situées les plateformes en France. Créer une page, on a créé une page spécifique avec les plateformes en France. Alors, c'est en construction. Toutes les plateformes ne sont pas référencées. On a mis quelques plateformes, on a choisi quelques plateformes, histoire de faire une représentation un peu globale de ce qui se passe sur le territoire français. Et donc, du coup, bah alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûrement parce que c'est la première que j'ai créée, donc ma plateforme d'imagerie. Et donc, directement, bah, vous avez un petit marqueur. Quand vous passez sur les petits marqueurs, alors je ne les ai pas toutes faites, mais si par exemple, on passe sur certains marqueurs, voilà, j'ai mentionné différents, j'ai mis différentes informations sur différentes plateformes. Donc, par exemple, si on va à Strasbourg, l'IGBMC, à Mulhouse, si on va chez nos collègues de Dijon, à Dimassel, si on va chez nos collègues de Lille, sur Bicelles, ou si on va chez notre collègue de Reims, sur Pict, ou si on va, par exemple, à l'Institut Cochin, eMagic, chez Thomas Gilbert, ou si on va chez moi-même. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver ces différentes informations. J'ai fait un exemple sur Lyon. Alors pourquoi Lyon? Bah parce que voilà, au hasard. Alors actuellement, ce n'est pas les étiquettes ne sont pas bien positionnées. Je le ferai par la suite. Mais voilà, donc du coup, il y a le Platim à Lyon. Et puis on a notre ami Denis du cycle du Centre d'imagerie quantitative de Lyon-Est, dans lequel on va pouvoir avoir le site internet et puis sa description. Peut-être que je mettrai les interlocuteurs. On mettra peut-être les interlocuteurs de ces différents plateaux, de ces différentes plateformes. Donc voilà, c'est assez pratique. Si par exemple, je vais aller voir l'Institut Cochin, parce que je ne vais pas me mettre sur moi-même, parce que c'est quand même assez simple. Mais là, sur l'Institut Cochin, je l'ai bien fait, je l'ai bien positionné sur l'Institut Cochin. Alors peut-être pas au numéro 22 de la rue Méchain, mais il est positionné directement sur l'Institut Cochin. Donc l'objectif, ça serait de pouvoir faire ce genre de choses sur l'ensemble des plateformes en France. Donc c'est pour ça qu'on vous enverra dans les semaines à venir
un questionnaire à remplir avec vos adresses, vos différentes informations, qui sont les directeurs scientifiques, les directeurs adjoints, les tutelles, et ainsi de suite, pour qu'en gros, on ait un référencement global de nos plateformes. Voilà. Je suis assez long. Je vais donc, voilà, ça c'est la partie réseau. La partie action maintenant, alors je ne vais pas toutes les détailler parce que par exemple, tutorat, journée thématique, nous n'avons encore actuellement rien fait. Si ce n'est dans tutorat et bourse de mobilité, eh bien vous allez avoir les différentes informations. Donc, c'est par exemple, qu'est-ce qu'un tutorat, une bourse de mobilité? Ben, c'est un autre moyen de partager les connaissances et savoir-faire. Donc, vous allez à, comme sur l'ancien site, vous allez pouvoir retrouver les différentes informations. On mettra sûrement des formulaires spécifiques pour faire des demandes de tutorat et de bourse. Ça va venir, vous allez voir, on a un exemple de formulaire dans une autre des actions. Les ANF, alors je vais revenir aux ANF. On a refait exactement la même chose qu'on avait sur les ANF, déposer, demander une ANF. Alors actuellement, ce n'est pas complètement à jour parce qu'on n'a pas encore créé les formulaires. Donc vous allez les voir, ils vont venir petit à petit. Toujours en cours, les historiques des ANF. Alors, ça va venir, hein. Là, les historiques des ANF, nous allons les mettre en place avec des pages particulières. On va essayer de voir si on ne peut pas faire des pages spécifiques pour avoir un historique de toutes les actions qui ont été menées. Et puis, les ANF, bah, en cours pour l'année 2021. Donc, par exemple, j'ai fait un exemple sur, nous avons fait un exemple, je disais, mais nous avons fait un exemple avec le groupe sur l'ANF Expansion Microscopy, qui est organisée par la plateforme de Gustave Roussy, donc Tudor Manoliou, du coup, du 15 au 19 novembre 2021. Si vous voulez avoir plus de renseignements, eh ben vous cliquez directement sur le lien et automatiquement vous tombez sur la page avec le programme, l'enregistrement, les ressources, les protocoles. Voilà. Je crois même que si on clique sur la photo directement, on tombe également sur le site de Tudor qu'il a créé pour cette ANF. Voilà. Donc ça, ce sont les actions, les assises. Alors les assises avec aussi une page sur l'historique. Donc j'ai pas remis tout l'historique de l'ensemble des assises. Il faudra que tout soit remis avec les bilans, les différents bilans qui sont associés à ces assises. Il y a une liste, tout n'est pas complet parce que je n'ai pas encore été chercher dans tout l'historique, mais globalement, voilà, vous avez les principales, les 5-6 dernières éditions, donc l'édition de Villefranche, Toulouse, Montpellier, Marseille, Rouen, Rennes, et vous avez une photo, eh bien, une photo ici de Villefranche, de Montpellier, de Marseille, de Rouen et de Rennes, et on attend avec impatience les futures assises. Donc, si on va dans Assises 2021, donc voilà. Vous avez une belle photo. On espère vous savoir nombreux lors de ces assises. On espère qu'elles auront lieu donc aux assises qui auront lieu à Banyuls-sur-Mer, organisées, conjointement organisées entre la plateforme Biopic et les membres du RTMFM, donc France Lam et Sophie Abellanet. Donc du coup voilà, si on a la chance d'avoir ce même soleil, donc vous aurez la chance de pouvoir assister à ces assises 2021. Voilà, donc présentation, on mettra par exemple sur les assises 2021, bon, on mettra tout ce qui est programme, formulaire d'enregistrement, les bilans et les bilans, et ainsi de suite chaque année, et bien du coup on changera et les assises qui ont été passées arriveront dans les assises historiques. Ça va. Voilà. Je regarde en même temps s'il y a des questions, mais je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à me poser des questions, je ne l'ai pas dit en cours, mais si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions, je peux essayer de vous répondre directement avec le petit décalage lié au streaming d'une vingtaine de secondes. Voilà. Alors, groupe de travail, donc nous avons mis l'ensemble des groupes de travail. Alors, ça a été mis par ordre alphabétique, hein, je le dis tout de suite. Donc, voilà, GT 3M, GT 3P, les GT Inter Réseau, qui est donc le GT Organisation. J'aurais peut-être dû le renommer comme ça, le GT Organisation, je me suis trompé. Le GT Pointillisme, le GT SAV, maintenant c'est le GT Transparisation. Alors je ne vais pas tous les détailler, hein. Je vais prendre celui que je connais le mieux, celui dont je fais partie et dont j'ai été le coordinateur pendant de plusieurs années, bah, le GT 3M. Qu'est-ce que le GT 3M? Si on clique sur GT 3M, bah, vous allez avoir globalement en fait, bah, le détail de ce qu'est le GT 3M, donc à quoi il s'attache, quelles sont ses actions, qu'est-ce qu'il fait. Si on veut voir plus en détail quelles sont les actions et qui sont les membres de ce GT, on a créé une page. Donc c'est une proposition, hein, actuellement, une proposition. Peut-être que c'est pas ce qu'on
voudra pour chaque GT. Mais globalement, voilà, j'ai mis pour chaque, les membres du GT 3e, eh bien, les membres, donc Orestis, coordinateur du GT 3e, et par ordre alphabétique ensuite, bah, Aurélien, David, Perrine, Thomas, Tudor et moi-même, avec des photos des personnes et aussi eh bien, leur provenance, donc la plateforme de l'Institut Curie à Paris, David Génie de la plateforme Neurimag à l'hôpital Sainte-Anne, ou par exemple Tudor Magnoliou de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Voilà. Aussi, eh bien, si on prend par exemple les sous-groupes, donc je vais prendre la valise métrologie. Alors, je ne l'ai pas bien référencée. J'ai pas repris. Alors, pour la valise métrologie, ça va évoluer par la suite, mais on a fait un exemple de formulaire. C'est un peu brouillon, hein, je m'excuse. Mais on a fait un formulaire dans lequel vous avez, qui va vous permettre de pouvoir emprunter cette valise. Voilà, on clique et automatiquement ça ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir enfin de nouveau avoir un formulaire pour faire une demande de la valise. Alors, la valise qui est actuellement juste à côté de moi dans le bureau, puisque je vais la recalibrer dans pas longtemps. Voilà, vous allez pouvoir faire une demande de la valise. Et on a ici bah, un exemple de tous les éléments qui constituent la valise. On fera sûrement une petite fenêtre pour expliquer quelle est l'utilisation de chaque élément de la valise. Voilà. Donc ça, c'est quand même un truc qui va quand même bien plus sympathique que ce que l'on avait auparavant. Et je pense qu'on pourra mettre une carte de localisation où se situe actuellement la valise. C'est-à-dire qu'en gros, on aura la personne qui l'a eue avant, les personnes qui l'ont déjà eue. Parce qu'avec le système de cartes que je vous ai présenté tout à l'heure, par exemple, si je retourne sur Plateforme en France, le petit plugin qu'on peut utiliser, on peut y mettre des codes couleurs sur les étiquettes. Et donc, je pense qu'on va pouvoir mettre, par exemple, où est située la plateforme, où est située la valise actuellement, qui l'a déjà eue, quelle est la prochaine personne à l'avoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais continuer sur le groupe de travail et un truc dans lequel on a les vidéos. Hein, le groupe de travail, par exemple 3M, a fait des vidéos. Et bah, on retrouve directement la fameuse vidéo sur la PSF réalisée par les membres du GT 3M. Donc, vous allez pouvoir retrouver directement et cliquer directement bah, pour regarder How to évidemment measure. la vidéo, comment faire la PSF. Donc, toutes les vidéos qui seront créées, par exemple, par le groupe de travail GT 3M seront référencées ici. Un autre exemple, les relations internationales, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, au GT 3M. Donc du coup, bah, alors à chaque fois j'ai mis en construction, hein, parce que ce sont des pages qui sont encore en construction, mais là vous avez une photo un peu de la genèse de nos relations internationales qui ont débuté lors de MIFO Bio 2018 à Seignos, une célèbre photo que les gens reconnaîtront du bel embras à Seignos. Donc voilà, vous avez ce jour-là les personnes qui étaient invitées pour cette réunion, pour ces échanges franco-allemands. Et là, par exemple, pour la partie relations internationales pour le GT3M, bah, on a mis le lien directement. Si on clique directement sur Quareplimi, hop, automatiquement, on tombe sur le site de cette initiative internationale sur la métrologie. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Alors, je vais pas prendre un autre exemple de réseau parce qu'il n'y a rien dedans. Si par exemple je clique dans GT.isme, et ben voilà, actuellement je n'ai pas toutes les infos. Nous n'avons pas encore toutes les infos, donc du coup, c'est encore en cours. Mais on va remplir petit à petit les pages. Et chaque groupe de travail va pouvoir nous dire en gros quelle architecture il va pouvoir avoir. Par exemple, je sais que le GT.isme voudrait avoir une carte. Une carte pour savoir où sont situés les experts dans le pointillisme, et bien du coup, on pourra leur faire une carte spécifique pour leur thématique. Ils pourront avoir ce type de carte. De la même façon que le GT Interréseau, qui est plutôt le GT Organisation des plateformes, co-dirigé par Claude-Marie Bachelet. Et puis, je ne me souviens plus du représentant, je crois que c'est Alain Schmitt, du réseau RIM de la microscopie électronique. Ils avaient demandé un mind mapping. Donc normalement, on a un plugin et on pourra leur faire un plugin spécifique pour qu'on puisse avoir ce mind mapping sur l'organisation des plateformes. Je vais ensuite passer maintenant aux événements, à l'agenda. Alors, on ne l'a pas rempli, mais vous pourrez retrouver
toutes les manifestations, pardon, liées au RTMFM et à ses différentes actions. Donc là, j'ai mis la présentation du site web, mais si on prend par exemple les ANF 2021, dans lequel le RTMFM, les ANF 2021 du RIM, lequel le RTMFM est partenaire, donc vous allez pouvoir les retrouver ici. Et si je retourne au mois de mars, on s'était amusé, Ludivine s'était amusé à référencer tous les webinaires. Donc, on va pouvoir retrouver l'ensemble des webinaires et le COPIL, le comité de pilotage, la réunion du comité de pilotage le 26 mars. Donc, vous allez pouvoir retrouver dans cette partie agenda, eh bien, tous vos événements, les ANF, les actions, comment dire, les journées thématiques, toutes les actions qui ont en lien avec le RTMFM. Une frise chronologique. La frise chronologique, en gros, bah, ça va être en gros tous les articles que l'on va mettre au niveau du site internet. Par exemple, l'annonce des webinaires, l'annonce, par exemple, là il y avait l'appel à atelier. Par exemple, s'il y a des appels à projets liés avec le RTMFM, s'il y avait des demandes spécifiques, voilà. Vous pourrez retrouver toutes les actualités à la une. Ou en cours du RTMFM. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure sur les ANF, hein, il y aura un formulaire pour déposer vos demandes d'action nationale de formation, c'est-à-dire vous avez besoin d'une formation spécifique, vous souhaiteriez que le RTMFM organise une formation spécifique dans une thématique, par exemple, je ne sais pas, le fret, un exemple, ou par exemple le FLIM. Ou alors vous avez envie de porter une action nationale de formation, ça c'est très important, vous avez envie de porter une action nationale de formation, et vous voulez porter à la connaissance du comité de pilotage, ben vous aurez un formulaire spécifique. Alors on va avoir aussi avoir aussi ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas encore rempli, et les actualités, on va retrouver ici le fil d'actualité présenté différemment que sur une frise chronologique. Enfin, pour terminer, eh bien, alors. C'est quelque chose, c'était des propositions. Actuellement, tout est modifiable, hein, donc on sera en fonction de vos différents retours, on pourra modifier en conséquence le site web. Mais on a créé une petite page qui s'appelle la Web TV, donc les webinaires TV, dans lequel on va retrouver. Donc si je clique dans la saison 3, bah on va retrouver, alors je ne sais pas, nous ne les avons pas tous mis, mais on va pouvoir retrouver bah, les différentes vidéos liées à la saison 3 des webinaires, donc la vidéo de la semaine dernière et la vidéo d'il y a 2 semaines. Voilà. Je n'ai pas parlé du menu qui est tout en haut. Ici, dans le menu tout en haut, il va être amené à changer. On retrouvera donc l'annuaire de tous les membres du RTMFM. La partie où on pourra se connecter directement au RTMFM pour la partie privée des contenus du RTMFM. Et puis le matériel associé, les différents matériels communs mis à disposition du RTMFM. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié autre chose. Oui, j'ai oublié quelque chose. On retrouve tout en bas les postes. Alors, ce n'est pas encore fait, mais on va y retrouver, bah, par exemple. Alors, voilà, il y en a même un qui a été positionné. Donc, ah oui, mais ça, c'était quelque chose qui avait été positionné par les créateurs du site. Voilà, vous allez avoir. On va pouvoir mettre ici, bah, par exemple, toutes les offres d'emploi, par exemple. Demande un CDD, une offre de CDD de 1 an, bah, par exemple au Bordeaux Imaging Center. Le Bordeaux Imaging Center a obtenu un financement de CDD pour 1 an. Eh bien, on pourra y mettre ici cette annonce. Dernière chose, la charte du réseau. Ici, si on clique sur la charte du réseau, eh bien, on pourrait consulter quelle est la charte du réseau, bah, quel est l'objet, la définition, quelles sont les missions des membres du réseau, les activités. Les droits et devoirs des membres du réseau et comment est constitué le comité de pilotage. Voilà, c'est parti, c'est peut-être un petit peu brouillon, c'est peut-être parti un peu dans tous les sens, mais globalement, voilà à quoi va ressembler le site. Il va nous rester à nous cinq, c'est-à-dire Samira, Aurélien, Perrine, Ludivine et moi-même, de remplir les pages, de configurer les différents plugins, d'être à l'écoute, surtout aussi, d'être à l'écoute. Alors, ce que j'ai demandé récemment auprès de l'AMITI, auprès d'Anne Antonella, qui est la coordinatrice de la plateforme de l'AMITI, Kevin Nigo et Sophie Nico, qui s'occupent des sites internet, des réseaux de l'AMITI, je leur ai demandé si l'ancien site tout moche pouvait disparaître très rapidement. Donc j'ai lancé la demande ce matin, pour tout vous dire exactement.
Et en gros, pour que le plus rapidement possible le site soit en ligne, ce nouveau site soit en ligne, ce qui permettra sûrement à l'ensemble de la communauté de faire plus rapidement vos retours, vos besoins, ce que vous voulez voir présent dans ce site, ce qui manque, ce qui ne va pas, ce que vous voudriez voir. Voilà. Voilà, se termine cette présentation du site internet en direct. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. N'hésitez pas, alors, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Il faudrait peut-être que je mette l'adresse, mais n'hésitez pas à nous contacter pour faire vos remontées. Alors là, actuellement, il est accessible uniquement par nous, les développeurs, mais vous pourrez, une fois qu'il sera complètement en ligne, normalement, il aura l'adresse rtmfm.cnrs.fr. Ça va remplacer purement et simplement l'ancien site. Donc, on mettra peut-être en haut, tout en haut, peut-être à la place de sondage, sur tout du moins au démarrage, une sorte de question, de mettre un formulaire, peut-être, ce serait peut-être un formulaire pour que vous nous envoyiez vos remarques, vos critiques et vos demandes spécifiques pour ce site internet. Je vous remercie à tous de votre attention et je suis tout ouvert à vos questions. Merci. Donc là, il y a les 20 secondes, le temps que vous entendiez ma dernière phrase. C'est un peu comme si on était. Oui, allô, je ne vous entends pas bien ici. Mont-Saint-Aignan, à vous les studios. Priori, aucune question ne vient. C'est que soit j'ai carrément pas été clair, soit c'est que j'ai été clair, ou soit vous n'avez pas envie de poser de questions. Ce qui arrive. Hein. Ah, merci Brice pour ton retour. Oui, je ne vous entends pas bien. Oui, allô? J'ai largement débordé des 15 minutes de présentation ou 15 minutes de questions. Ça passe très vite, hein, 30 minutes. Non, c'était Cognac que j'ai. Alors, j'ai pas la référence. Je n'ai pas la référence, Philippe, sur. Non, c'était Cognac que j'ai. Là, mais. Pour information, la carte qu'on utilise, c'est pas une carte Google. J'ai trouvé ça hier, pour tout vous dire, j'ai trouvé ça hier. Ça s'appelle Ultimate Map by un truc. C'est gratuit et ça permet de faire énormément de choses. Donc, par exemple, on peut y mettre plein d'étiquettes. Alors, je vais rentrer un peu dans je vais rentrer un peu dans le dur, du site. Mais si par exemple je vais dans les extensions, crac, je vais aller dans les réglages. On peut créer une carte. On peut créer une carte et on peut y créer des marqueurs spécifiques. Alors, vous voyez là, j'ai ma carte et on peut créer des marqueurs spécifiques dans lequel on va pouvoir leur affecter des icônes particulières. Donc ça, je pense plus particulièrement à Romina du GT Pointillisme, qui, je pense, va pouvoir référencer, je prends cet exemple de GT, hein, mais on va pouvoir référencer les différents acteurs, par exemple ceux qui sont spécialisés dans le pointillisme ou dans la transparence. Non, c'était transparisation, pardon, Romina. Honte à moi, je me suis trompé, c'était transparisation. Pointillisme, c'est Karine et Magali. Mais donc, transparisation, pardon. Vous allez pouvoir référencer ceux qui sont spécialistes, qui font de la transparisation sur telle ou telle technique, ou j'en sais rien. Ou par exemple,
Si on voulait identifier, bah, par exemple, ceux qui travaillent plus sur la biologie cellulaire ou la biologie végétale, j'en sais rien, on pourrait imaginer plein de choses, on pourrait y faire des cartes vraiment magnifiques et on peut y créer plusieurs types de cartes. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'une carte unique. Ça veut dire que la valise métrologie peut avoir sa carte, le GT transparisation peut avoir sa carte, le GT pointillisme peut avoir sa carte. On pourrait y faire une carte par groupe de travail. Ah, bravo! Merci Phil, merci Philippe. J'avais pas. À l'époque de Gilux et de. Comment il s'appelait son... Léon Zitrone. Je l'avais pas. Mais voilà, on va pouvoir y faire. On va pouvoir y faire plein de choses avec ces cartes. Et de la même façon, dans les extensions, on peut y ajouter différents types d'extensions. Là, Perrine avait trouvé un quelque chose. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il ne faudrait pas donner la main à certaines personnes éditrices? Alors, l'objectif, c'est d'identifier, par exemple, je vais revenir sur la partie sur la partie du site. L'objectif, par exemple, pour les groupes de travail, c'est de nommer un web manager d'EGT. C'est-à-dire que l'EGT 3M 3P, organisation, pointillisme, SAV et transparisation, ils auront un web content manager. Ça veut dire que ce sera à eux de gérer entièrement leur partie. On va leur poser un cadre et ils pourront éditer différentes pages. Nous, on restera toujours au-dessus en tant que super administrateur. Ils ne pourront pas modifier toute la structure du site, mais on pourra faire ce genre de choses. De la même façon que pour les assises, petit message à notre amie France et notre amie Sophie. Potentiellement, on pourrait y voir aussi que l'une des deux personnes, peut-être qu'il faudrait y associer une troisième personne, mais je crois que Samira est déjà associée à ce travail. Mais on pourrait y associer une personne qui s'occupe, par exemple, de remplir la partie. Voilà. Donc, oui, il va y avoir potentiellement. De toute façon, pour faire vivre le site, il va falloir des éditeurs. Il va falloir forcément des éditeurs. Le site ne pourra pas vivre uniquement sur 3, 4, 5 personnes. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait 50 personnes qui touchent au site, mais il y aura sûrement 2 à 3 ou 4 super administrateurs qui pourront faire, par exemple, comme on fait sur la liste de modération. Mais il y aura peut-être des éditeurs avec des droits un petit peu plus élevés qu'un abonné standard pour écrire des pages pour chaque entité. Parce que si le site, c'est ce qu'on avait discuté à l'époque quand j'avais fait partie du groupe de travail avec l'amitié, avec Catherine Claire et Kevin et Sophie, Nico. En gros, avec les autres membres des réseaux de l'amitié, en gros, il faut le faire vivre, le site. Un site ne vit qu'uniquement que si la communauté y dépose des choses. Si en gros, on y dépose une chose que tous les 4 ou 5 mois, le site ne servira à rien. Ça veut dire qu'il va falloir être quasiment une nouvelle, pas toutes les semaines, mais il va falloir quasiment y mettre. Alors, l'avantage, c'est qu'avec les webinaires, il y aura une news toutes les semaines, mais il va falloir le faire vivre. C'est-à-dire que les groupes de travail devront le faire vivre et faire évoluer leurs différentes pages. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question, Christian. J'aime bien donner des réponses un peu longues. On m'a toujours dit que j'aurais pu être politicien. Parce que, en fait, des fois, je parle inutilement. Oh, pardon, j'ai rien dit. S'il y a d'autres questions, je suis ouvert, mais voilà. Alors, oui, Philippe, on pourrait, oui, alors potentiellement, alors c'est peut-être une chose qu'on voulait mettre dans matériel, tout là-haut, dans le bandeau en haut, genre fiche technique, qui soit en accès direct, oui, c'est parce que je vais prendre l'exemple du GT 3P, qui est prototype de pilotage et périphérique, si je ne me trompe pas, ils ont pas mal de fiches en Arduino. Et ça serait bien qu'on trouve un moyen, oui, exactement. Peut-être que ça serait un menu, il faudrait peut-être mettre fiche pratique.
Peut-être qu'il faudrait rajouter un menu spécifique fiche pratique du RTMFM avec les fiches pratiques du GT3P. Par exemple, je vais prendre un exemple aussi en métrologie, comment préparer des lames de bille. En transparisation, bah, comment préparer, faire une technique genre disco. Ou par exemple, en GT pointillisme, comment préparer son buffer, j'en sais rien. Ou je vais prendre un autre exemple, sur la NF Expansion Microscopy, par exemple, bah, un tutoriel, par exemple, comment faire de l'Expansion Microscopy. Ouais. C'est. Et ouais, avec la référence des experts, potentiellement, ouais. Pourrait y avoir une carte. On pourrait y mettre une carte dans laquelle, à côté, associer. Je parle tout, peut-être que c'est pas faisable de mettre la carte et directement la fiche protocole, mais je pense qu'on pourrait. Ça, c'est faisable. C'est un truc qui, même, pourrait être. Parce que la communauté est quand même très demandeur de fiches techniques. Et donc, je pense que ce serait pas mal, ouais, de le mettre. Alors, après, à voir, est-ce qu'on le met directement en lien direct là-haut, dire fiche technique, ou est-ce qu'on le met là-haut, fiche technique? Ça dépend quel est l'affichage qu'on veut lui mettre, si on veut le mettre en très grand. Parce que c'est vrai on s'était posé la question, si par exemple on met dans un groupe de travail GT3P, machin, ça peut être trop long à aller chercher, alors que s'il y a un lien direct, ah, fiche technique, ça peut être pas mal. Mais oui, je valide Philippe, c'est une très bonne remarque. Bon, alors peut-être qu'on l'appellera peut-être recette de cuisine en hommage à ta proposition. On l'appellera les recettes de Philippe. Si par exemple tu as des recettes à nous donner, on est d'accord. Hein. Voilà. Non, je valide, je suis d'accord avec toi. La carte sera peut-être de trop. Mais juste le nom. Oui, juste le nom. Juste le nom de la personne avec les références. Voilà, alors. Exactement. Alors, la question de la protection, merci Samira, la question de protection des documents, ça c'est quelque chose qu'on avait mis en place avec le GT3M, on connaît bien. Je pense que la plupart des fiches techniques qui seront posées, qui seront mises à disposition sur le site du RTMFM, qui seront en accès libre, devront être protégées via les licences Open Creative Commons. Exactement, une base. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christian. Il faut qu'on trouve un système. Faut qu'on trouve un système, peut-être un plugin qui nous permet. Alors, je vais me permettre de noter en même temps les questions. Donc, page recette de cuisine, fiche technique, parce que moteur recherche webinaire. Alors, ça pourrait être très bien sur les webinaires, mais aussi les fiches techniques. Hein. Alors, tout à fait, c'est l'open science ouvert, mais il faut quand même protéger un peu. Moi, je pense qu'il faut mettre, c'est juste un petit logo, mettre Creative Commons. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait au 3M, ça suffit. Ça suffit amplement, vous apposez votre petit logo et c'est pratique. Ça permet un peu d'avoir la postérité, on va dire. Alors, les Creative Commons permettent, Thomas est l'expert un peu de cette partie-là, mais les Creative Commons permettent en gros, vous les publiez, un industriel derrière ne peut pas les réutiliser à des fins commerciales, et si quelqu'un les modifie, bah, ils doivent vous contacter. Voilà. C'est ça l'avantage. Oui, il faudra demander, mais je crois que la communauté est plutôt a très envie de partager. Donc je pense que là-dessus, si on met en place un système de protocole dans lequel chacun protège via les licences Creative Commons, je pense que ça devrait le faire. Et oui, c'est de la même façon, hein, je reviens sur la partie du site, mais là, j'ai demandé les photographies, une photo de chacun. J'ai pas fait signer de documents spécifiques sur, mais j'estime que si les personnes m'ont envoyé une photo, j'estime que voilà, ils ont donné leur accord. De la même façon sur les photos. Alors peut-être qu'il faudrait dans la partie assise ou l'historique des assises, peut-être qu'il faudrait demander l'accord des personnes. Surtout que, alors sans trop dévoiler, hein, j'ai d'autres photos en stock. J'ai retrouvé des photos en stock de 2010. Eh bien, on a pris tous un sacré coup de vieux.
Oui, peut-être, voilà, sur les photos, droit à l'image et autres, je sais pas. Bref, ça sera des discussions, en gros, à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? J'ai remis cette fenêtre-là, mais c'est peut-être pas forcément la plus jolie. On va remettre. De la même façon, la page d'accueil peut changer. Alors oui, on s'était posé la question de savoir, de faire un appel à images, à banque d'images pour faire des bandeaux défilants. Moi, je trouverais ça sympathique de mettre des bandeaux défilants au niveau ici, dans lequel on aurait des images qui ont été acquises sur différentes plateformes pour montrer. Ça permettrait aussi de montrer à on est quand même un réseau qui fait des images. Ça, c'est un truc qu'on nous avait dit, qu'on m'avait dit lors du petit groupe de travail qui s'était intéressé pour le cahier des charges du site internet. En gros, on nous avait dit, vous avez de la chance, vous avez des images. C'est vrai. Et donc, ça serait bien qu'on mette des images de ce que l'on réalise. Par exemple, voilà, des images, par exemple, je sais pas, d'un poisson zèbre. Une tranche de cervelet, de différents types de cellules avec des marquages, des images faites en expansion de microscopie, en clarification, en transparisation, en super résolution, ou même d'une nouvelle technologie, par exemple. Ça pourrait, je pense que ce serait sympa de mettre en avant. Et le plus important, c'est qu'on a besoin des retours de la communauté, comme le dit Samira. On a besoin du retour de la communauté pour savoir ce qu'on doit y mettre. Parce que le site, certes, nous sommes aujourd'hui 5 à le construire et à le monter, à ce qu'il soit accessible, mais le site, il vivra grâce à la communauté. Tout comme le RTMFM vit grâce à sa communauté. Si la communauté vit bien, c'est que nous sommes actifs. Donc plus nous serons actifs, plus le site sera vivant et plus on aura envie de le partager. J'avoue que sur ces dernières années, on n'avait pas du tout envie de partager cette horreur. Je vais me permettre de vous le remontrer, mais on n'avait plus envie de partager cette horreur. C'était plus possible. C'est comme une envie de vomir en permanence dès qu'on le voit. Là, on a un peu plus de modernité, c'est un peu plus joli, on est plutôt content. Merci Christian, merci, merci. Ben oui. Il fallait faire un essai de présentation en direct live. Je pense que. Bon, pour tout vous avouer, je voulais annuler cette session, mais on m'a dit que ce serait bien de le faire quand même, sinon il y aura un trou, il y aura un trou dans les épisodes, et donc du coup, on ne pourra pas bien suivre les épisodes de la saison. Donc du coup, voilà. Non, non, mais merci, merci à Brice, merci à Christian, merci à Sophie de nous avoir donné l'opportunité de vous montrer le site. Eh bien, merci à tous. Je vais donc couper la retransmission et si n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et à très vite lors d'une prochaine action du RTMFM.